all over them there! My back on all over the outside! So I get great number dogs and big dogs! Bonjour, bonsoir avec tout internaute, tout super branché. Déjà son plaisir pour nous entrer la caillou journée dimanche 17 janvier 2021 ça. Vraiment ça fait un plaisir pour nous entrer la caillou et ça fait un pile plaisir parce que toujours partager vidéo nous yo ou toujours inviter zami ou famille ou like page si là. Vraiment ça fait un pile plaisir et ou même si vous nouveau sur channel là, pas négliger faire ça kounya. Pesez bouton abonné ou bien subscribe là et puis pas oublier cliquer sur petite cloche notification. Pour notre actualité, nous connaissons aujourd'hui SPNH là lui-même il te prend la rue côté au tapement des bons gens conditions. Yannick Joseph nous connaît qui c'est ancien coordonnatrice mouvement si là. Il était là, il était présent dans match là et il voyait gros pinga by président pays à savoir Jovenel Moïse qui t'a voulu faire le marron, qui t'a voulu faire bal persécution politique. Il s'est monté sous ville que Jovenel pas qu'à mettre dans marron. Dans une note qui était portée signatie DGPNH là monsieur Léon Charles côté l'ité montré li prend acte de mouvement contestation policier a fait journée dimanche 17 janvier mais li pas toléré pièce individu porté armes dans manifestation mais contrairement avec ça nous avons plusieurs policiers qui étaient gain armes sous yo pendant manifestation mesdames messieurs si nous capable suivre image si là nous avons policier qui t'a dansé normalement avec zam souyo dans manifestation mesdames messieurs. Jean Elde lundi coordonnateur général SPNH 17 là t'es dans la rue pour te exprimer insatisfaction par rapport avec arrivée Léon Charles en tête PNH là mesdames messieurs. Il était continué pour te montrer vulnérabilité chaque membre chaque policier qui en dans institution ça côté a kidnappé avec puis l'autre problème qui y a entiré qui y a subi en dans institution PNH là. L'hôpital n'a touché très mal. Il y a kidnappé policier et policier pas côté priorité tout problème là parce que il est important pour te sortir aujourd'hui pour te rapporter revendication. Non mais remonter là te fait nous des promesses Léon Charles Vini. Qui ça gagne comme assurance aujourd'hui là entre Normie Ramo et Léon Charles. C'est car la rue parce que nous pas satisfaits. Pas gagne rien qui fait pour policier, pas gagne aucun même si de loin pour nous dire que ça fait pas rien qui fait. Car pour les bureaux étaient là, même le dessous Ramo c'est même continuité là sous Léon Charles. Information fait que nous même tout n'a manifesté contre insécurité alors que vous êtes là pour sécuriser, protéger, servir alors. Oui, nous n'a manifesté contre l'insécurité parce que c'est ça l'ironie du thème. C'est que nous même policiers nous pas en sécurité, ils ont kidnappé nous, ils ont tué nous, tout problème nous là. C'est-à-dire que là est présent dans la rue là, je dis là, fuck population qui a n'a pas population qui accompagne nous. Merci, mais l'important pour nous prendre la rue parce que problème là, tout problème là. Juste pour nous faire pour nous aller pour nous obtenir satisfaction. Les citoyens dans le mouvement ça ont exprimé frustration par rapport avec Jean Pays a fonctionné, par rapport avec Jean Pays a dirigé. La sécurité tout partout, on a tombé, kidnapping a monté 17 ou 10. En plus, le monde vient inquiet, en plus, le monde vient perdre sorti, vient perdre prendre la rue, selon déclaration plusieurs membres qui étaient dans la manifestation, mesdames, messieurs. Je suis un peu plus de temps.
communauté du calendrier, c'est ça qui l'a sorti jusqu'à ce que je vais quitter le pouvoir. Je dis à la police de la rue, nous accompagner, et que le feu, la menace à tout pour la défense américaine, pour la défense de la nouvelle administration, et je vais dire non, que nous parlons de Jovenel Moïse encore, Jovenel Moïse doit démissionner, pas de démissionner, mais quitter le pouvoir. C'est le premier de nous aider. Et dans ce temps, nous-mêmes, nous continuons à manifester. Mais de source, c'est que nous soutenons le monde et supportons nous avec SPNH là. Parce que nous-mêmes, nous avons une révocation juste qui a fait passer. Qui s'est gagné, c'est pour un petit peu jeune pour qu'on travaille pour que nous ayons un matériel dans mes retours pour faire ce qu'il y a avec eux. Et je viens de dire dans le pays là, parce que le pays a industrialisé, qui donne nous la journée là, pour nous faire voter du matin sans parler, nous parler jusqu'au bout, parce que la guerre est mort. Et son manifestation qui pas arrivé à la destination, j'ai qui était prévoir pour arriver devant direction générale la police là qui chita colle dans zone Clessine, il pas arrivé à la destination parce qu'il était écrasé en bas gros répression la police qui t'a utilisé gaz lacrymogène. Mesdames, messieurs, ça qui était débouché sur un côté carré, sur un face à face entre manifestants avec la police. Mesdames, messieurs, mes amis, mesdames, messieurs, affaires insécurité en Haïti, c'est tête chargée, c'est gros causé. Car vous passez son répété chaque jour, c'est un kidnapping qui pitrisse parce que ça qui était passé avant. En plus, gros panique, en plus, tête chargée sur réseaux sociaux. Après dernier enlèvement, ça qui a fait dans la nuit samedi 16 janvier 2021, mesdames, messieurs. Tout le monde connaît Mike Bello qui est un jeune entrepreneur qui gagne seulement environ 30 ans. Bandit avec Zam Levé, Mike Bello. Jeune entrepreneur ça qui saute prend deux prix et dans Bunch qui jeune chambre internationale tabay en fin année 2020 qui saute passé là. Qui est-ce qui Mike Bello son jeune et en 2017 qui t'est présenté solo bag qui c'est un bag qui t'est venu qui t'est capable charger téléphone qui t'est gagne un panneau solaire. Jeune entrepreneur a t'est continué t'est fait un pile d'autres belles créations. Dernière création à date li t'est fait c'est un masque solo masque. Dans un moment corona, il te fait un masque qui était plus facile, qui était plus accessible, ou qui était plus confortable, qui était capable de respirer. Et son jeune qui très influent sur les réseaux sociaux, et bien ça, c'est ça qui cause depuis après enlèvement ça, en pile panique, en pile tête chargée sur les réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Après puis ça, il était fin prendre un jeune chame international qui t'a fait sous Delma en mois de décembre, qui te saute passé là, il était fait pour ça sur page Facebook li. Si un gros honneur pour moi, pour me capable désigner par jeune chambre internationale comme jeune qui pire ma cab pendant l'année 2019 là, catégorie affaires entrepreneuriat et lauréat de toutes les catégories. Jeune garçon si là pas suspendre faire parler de lui depuis quelques années sur réseaux sociaux, mesdames, messieurs, par rapport avec création li. Ils sont économistes, ils sont professeurs à l'université, ils sont entrepreneurs. Avec deux créations sérieuses qui étaient solo bag avec solo masque avec plusieurs autres fait encore jeune ça plusieurs gros médias t'ai écrit article sous lui tant que Loup Haïti le Nouveliste a qu'un pilote média international t'a parlé de monsieur ça, mesdames, messieurs. Et bien c'est jeune ça qui a enlevé hier soir dans la rue Port-au-Prince pendant l'état fonti viré. Et ça qui t'a créé gros panique sur réseaux sociaux, en pile monde pas prend temps pour parler de ça, pour demander libération sans prendre temps. Jeune entrepreneur ça, jeune ça qui a fait effort, mesdames, messieurs. Gros mobilisation commencé à faire sur réseaux sociaux pour demander libération, monsieur ça.
qui est-ce qui kidnappe, qui côté ou à la velle, qui ça qui derrière enlèvement ça, est-ce que son enlèvement et est-ce que son jeune yo t'a suivi, qui ça qui passé, est-ce que vous pensez li gen cob parce que son jeune entrepreneur, qui ça qui passé, qui ça qui derrière enlèvement ça et qui côté à la velle, est-ce que jeune n'a pas une libération, personne pour qu'on connaît parce que même la police yo kidnappé, c'est quête yo fait pour lui pour libérer yo. Donc bah là vraiment pas facile et dans moment bah elle a fait gros panique a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. La police lui-même li dans la rue journée dimanche 17 janvier a pour demander bon gens condition. Donc c'est un bagage qui pas facile, n'a demandé est-ce que qui ça qui pourrait le passer, comment ça pourrait le finir, qui côté kidnapping, qui côté insécurité ça lui-même la privée personne monde pas connaît. Donc nous rester n'a suivre comment ça pourrait le passer parce que depuis quelque temps ces affaires bandi, ces affaires kidnapping, insécurité, police cap tombé en bas bal bandi. Depuis quelque temps sur réseaux sociaux mesdames messieurs, ça qui vient montrer pas gen moun vraiment qui à l'abri, pas gen moun vraiment qui original. Donc si jeune entrepreneur a kidnappé, docteur a kidnappé, policier a kidnappé, ça veut dire pas gen moun vraiment qui à l'abri, pas gen moun qui original dans ville ça. Tout le monde s'est veillé côté ou a mettre pied. Mais qui est-ce qui caché derrière kidnapping ça yo? Est-ce que bail ça gen pour dévoiler? Voilà mesdames messieurs, c'est tout point ça yo nous te gen pour nous développer pour après-midi 17 janvier 2021 hein, mesdames messieurs. Rete connecté avec Chanel Paula ou pas regrette pour ça gen pour avec information.